السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى جيد مشترك علمي، أقدم الآن بين أيديكم هذه المراقبة المستمرة الثانية للدورة الثانية. Donc la première partie, قبل أن نبدأ نسيت يجب أن نصلي وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Donc la première partie, restitution des connaissances. الفقرة الأولى خاصة باسترداد المعارف. كالعادة سأقرأ وأترجم باللغة العربية. Donc on a la première question dit: définissez les notions suivantes. Climat, chaîne alimentaire. إذن نعرف المناخ والسلسلة الغذائية. Chaîne alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire un climat? Donc, un climat, comme vous le savez, donc je vais l'écrire ici, définir, ou bien définition du climat. Donc, c'est l'ensemble, ou مجموعات الظروف المناخية, مجموعات الظروف, ou les conditions atmosphérique, يعني الظروف الجوية الموجودة في منطقة معينة لمدة طويلة. Donc هذه هي باللغة العربية. Donc c'est l'ensemble des conditions atmosphériques جوية qui règne dans une zone donnée, منطقة معينة, pendant une longue durée. دروك هنا خصنا نفرقوا ما بين المناخ وما بين حالة الطقس. دونك حالة الطقس هي لا ميتيو سي pendant une courte durée, ولكن المناخ لو كليما pendant une longue durée. دونك سي سا la définition du climat. Je passe, qu'est-ce que ça veut dire chaîne alimentaire? Chaîne, donc chaîne alimentaire. Chaîne alimentaire. Silsila ghidaiya. Donc c'est quoi? Chaîne alimentaire. Bon. C'est un ensemble des êtres vivants qui se nourrissent les uns des autres. Ou مجموعه من الكائنات الحيه, ou là c'est une suite, ou là c'est une succession. يعني واحد التتابع نتاع الكائنات الحيه, يعني احدهم ياكل ما يسبقه. Donc si je dis en français chaîne alimentaire, est l'ensemble, حسن كاع سهله, est l'ensemble des êtres vivants. Ou la est une suite des êtres vivants et l'ensemble des êtres vivants qui se nourrissent les uns des autres. Qui se nourrissent les uns des autres. C'est la définition la plus simple. Alors, je passe. On a ici un tableau. Complétez le tableau suivant. On a ici les facteurs climatiques. Et on a ici les outils de mesure. Donc, on a la température. Quel est l'outil de mesure de la température? Donc, c'est simple, c'est le thermomètre. Donc, j'écris ici, thermomètre. Le mihrar. Donc, on a ici thermomètre, bien sûr, c'est température. C'est un cadeau, ça, monsieur. Température. Alors, on a ici l'hygromètre. L'hygromètre, c'est l'outil de mesure. Donc, l'hygromètre est un outil de mesure qui mesure quoi? Qui mesure l'humidité. L'humidité. Al-rotoba. Vous savez, al-rotoba, c'est ce qu'il y a des kimmiyats, le ma, à la chaque bokhar, al-mawjoud fil jaw. C'est ce qu'il y a l'humidité, c'est ce qu'il y a al-rotoba. Donc, on a ici vitesse du vent. Donc, la vitesse du vent, on mesure la vitesse du vent par quoi? Bien sûr, par un année. Un anémomètre. D'accord? Alors,
Je passe aux troisième questions. Pour chaque espèce numérotée dans le groupe 1, un régime alimentaire qui le caractérise dans le groupe 2. On a ici un groupe 1 et un groupe 2. Donc, ici, on a les êtres vivants et on a, bien sûr, ce sont des êtres vivants, bien sûr, végétaux, des végétaux et des animaux. On a ici les régimes alimentaires. Alors, on a le criquet. Le criquet, bien sûr, il y a Jrada. Le criquet, quel est son régime alimentaire? Je continue la question. Recopiez le tableau ci-dessus sur votre feuille de réponse et complétez-le en écrivant la lettre du régime alimentaire convenable pour chaque espèce. Donc, nombre de groupe 1. On a ici 1, c'est le criquet. La lettre du groupe 2, bien sûr, le criquet est herbivore. Donc, je mets 1, c'est A. 2, l'homme. L'homme, bien sûr, l'homme mange tout. Donc, c'est un omnivore. Omnivore, donc c'est C. Qu'est-ce que ça veut dire omnivore? Omni, ça veut dire mutaaddid. Vore, bien sûr. الغذاء يعني هو متعدد الغذاء ياكل اي حاجه ياكل اللحم ياكل النبات ياكل سميتو لي غران الحبوب اكسيتيرا دونك جو باس رونار بيان سور لو رونار اوسي سي اومنيفور لو رونار بيان سور مانج لي بول اي اوسي il peut manger les fruits دونك on a ici renard 3 c'est c l'herbe c'est quoi bien sûr l'herbe C'est, elle est autotrophe. Qu'est-ce que ça veut dire autotrophe? Donc c'est D. Autotrophe, d'ati et tchardia. Donc, la matière organique par la méthode de la photosynthèse, d'accord? Donc, bien sûr, nous sommes des hétérotrophes. Et il y a une autre, ou les lahm, donc on se met hétérotrophe, ou les nabats autotrophes. Donc, recopiez sur votre feuille de réponse la lettre correspond à chaque suggestion, puis écrivez dans vos livres vrai ou faux. Donc, on a ici le climatogramme et la représentation simultanée de la variation de la température et de l'humidité relative. Donc, bien sûr, le climatogramme, les darajat al-harara ou l'humidité. Donc ici je mets vrai. Les organismes hydrophiles vivent dans des milieux très humides. Bon, kainat hydrophile. Qu'est-ce que ça veut dire hydrophile? Donc hydro c'est l'eau, phile ça veut dire il aime l'eau. Donc kaitbghi rotoba. Donc il aime les zones où il y a de l'eau. Donc les organismes hydrophiles vivent dans des milieux très humides, bien sûr c'est vrai. La compétition, c'est quoi? C'est une association obligatoire entre deux espèces différentes dans laquelle chacune des deux espèces tire profit de la relation. Donc, ici, bien sûr, c'est faux. La compétition, il y a des tchénafous. Donc, il y a par exemple, le rida, ou il y a un juge, il y a le rida. Donc, c'est faux. Symbiose. C'est quoi symbiose? L'arabie, c'est quoi? D'accord? Relation entre deux êtres vivants d'espèces différentes dans laquelle l'un des partenaires vit aux dépens de l'autre sans entraîner sa mort immédiate. Donc, bien sûr, c'est faux. La symbiose, c'est quoi? Donc, deux êtres vivants qui tirent profit. Les deux qui en tirent profit. Il y a une qui est réciproquement profitable. Il y a une qui a une chef ou qui a une chef. Donc c'est faux. Alors je passe à l'exploitation des documents, partie 2. Donc dans le cadre d'étudier. Dans le cadre. D'étudier l'action des facteurs climatiques sur la croissance du cèdre. Dans certaines stations, deux études ont été effectuées. Donc, là, on dit que la recherche a un impact sur les facteurs climatiques, sur le
لو سيدغ هو نبات الارز، نبات الارز، اشجار الارز في واحد المناطق معينه. L'étude 1, dérassa l'oula, le tableau ci-dessous regroupe les résultats de calcul des moyens mensuels des précipitations, P, et des températures T, de la station d'Ifrane, qui se situe à une altitude de 1635 mètres et qui se caractérise par petit m, hiya, darajat al-harara d'dounia, donc c'est la basse température, qui est égale à 0,1 degré Celsius. Donc, had l'jidoul had l'irakum tchoufou. Donc, c'est un tableau qui regroupe les résultats de la zone d'Ifran. Donc, on a ici les mois de l'année. On a ici les précipitations, les mois. D'accord? On a ici les températures. Donc, calculer la moyenne des précipitations annuelles PA de la station d'Ifran. Donc, pour calculer la moyenne des précipitations annuelles PA, donc je dois rassembler, ou bien je dois faire le total de toutes les précipitations des mois. Donc 180, 141, 121, 118, etc. D'accord? Alors c'est ça la méthode de calculer les précipitations. Même si il nous dit la moyenne, donc on met ça. Mais nous avons la moyenne mouaddel, donc on fait comme ça, on fait le qisma. Non. Quand je me regarde, تساقطات هاد الامطار هادي نتاع الاشهر ونحسبوها هذيك هي لي بريسيبيتاسيون انويل داكور اون ميليمتر بيان سور ما نساوش الوحده الي اون ميليمتر اون يوتيليزون لي دوني دو طابلو سي دوسو تراسي لو دياغرام امبروتيرميك دو لا ستاسيون تيفران بوي ديتيرميني لا بيريود دو سيشريس دو سيت ستاسيون دونك هنا واش طلبوا منا ان نو دوموند دو تراسي لو دياغرام امبروتيرميك كيسك سا فدير لو دياغرام امبروتيرميك. Donc, le diagramme ombro-thermique. Ombro, c'est quoi? C'est pluie. Thermique, c'est la température. Donc, c'est une représentation des précipitations et de la température d'une station donnée pendant tous les mois de l'année. D'accord? Alors, comment faire? Donc, je vais vous montrer. Donc, bien sûr, il faut avoir un papier millimétrique. Donc, le papier millimétrique, les courbes exactes. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais essayer de le tracer pour vous montrer. Donc, je mets ici, par exemple, on a ici les températures. C'est l'axe des ordonnées, les températures. Quand je vois la vidéo, je vais faire le diagramme ombrothermique. Il est dans la chaîne, la petite chauffe-eau. Donc, ici, le diagramme ombrothermique. Soit je mets ici janvier, donc cette partie calme, là, c'est janvier. Donc, je mets ici janvier au milieu. Donc ici, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Soit je peux mettre ici janvier. On dit le haq, parce qu'on dit là janvier, ou qu'on dit là la partie comme là, c'est janvier. Alors je trace l'autre axe d'ordonnée qui représente les précipitations. D'accord? Donc, on a trois axes. Deux axes des ordonnées. L'un représente les températures, dans le chat al-harara, ou les précipitations et les mois de l'année. Donc, ici, je mets T en degrés Celsius et ici, je mets précipitations en millimètres. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont dans le tableau? Donc, on a ici les températures. Donc, je dois voir la température maximale. Je vais voir où est-ce qu'on a la température. Il y en a 2, où est-ce qu'on a le 21. D'accord? Alors, pour les températures, je vais voir les précipitations. Les précipitations varient entre 9 et 180. D'accord? Alors, je dois garder ça. Les précipitations sont égales à 2T. Les précipitations, c'est le double de la température. Alors, je peux mettre par exemple ici
Ici, par exemple, 5, donc 5, 10, donc 15, 20, 25, ou là je mets seulement 10, 20, 25, 20, 30, etc. Donc c'est 30, donc c'est 40, etc. Là, je m'en lâche, bzaf, la température varie entre 2 et 21. يعني مع كلش غادي نزيد نكتب كاع الاعداد. Pour les précipitations, donc les précipitations, là نكملوهم لحقاش les précipitations c'est le double de la température, هنا خصنا نزيدو نكملوهم. Donc 40, واخا ما غاديش نوصلو حنا كاع 40, 40, donc j'ajoute 45, 45, 50, واخا ما كايناش. Donc ici, donc j'ai ici 5. Donc, les précipitations, on dit qu'on 10. D'accord? On a 10, on dit 20. Et là, je l'ai qu'on a P est égal à 2T. 15, on dit qu'on 30. Donc, ici, 40. Ici, 50. Ici, on dit 30, donc ça fait 60. Ici, 80. Ici, 90. 90, 100. 110. 120. 115, 120, donc on a 180. C'est d'abord une ouverture 180. D'accord, on a une comme qui fait 120, 125, 130, 135, etc. Donc quand on a saisi notre tableau, on a quelque chose de nouveau. Alors, et je mets donc on dit janvier. Donc janvier, c'est température c'est 2. Donc je mets ici janvier, ici c'est 2. عندك هنايا 5 مش عارفه واش راح تبان ولا لا. دونك اي سي سي 5 دونك غتكون هنا 2 اي دمي تقريبا غادي تكون هنا. دونك جو مي كومس 2 فيفريي فيفريي اون 3 دونك فيفريي غادي نزيدو غتطلع لنا حتى ل 3 نزيدو مارس مارس صافي كومبيان صافي 6 دونك غادي تكون شويه هكا اكسيتيرا. دونك في الاخير غادي نحاولوا نلقاو واحد بحال هكا باغ اكزومبل مثلا هكذا اكسيتيرا وغادي يهود لنا حتى لهنا. المهم غير يعني داكشي ماشي اكزاكت ولكن نتوما ديروه اكزاكت باش ما نضيعوش الوقت وصافي. هذه بالنسبه لا تمبيراتور ودائما لا تمبيراتور من نديرها كنعاود لها بالاحمر. داكور ندير لها هكا نعاود لها بالاحمر. اي ابري جو في باسي او بريسيبيتاسيون غادي نشوف مثلا جانفي غادي تكون 180 ياك هادي هي لا بريسيبيتاسيون جانفي 180 غادي تكون هنا باغ اكزومبل ونجي دونك غادي لالور ديالها غادي تكون سي كوم سا باغ اكزومبل. غير نحاول نوريكم نتوما نديروه نيشان باغ اكزومبل سي كوم سا. دونك هذا غادي تكون لي بريسيبيتاسيون ولي بريسيبيتاسيون دائما تكون اون بلو يعني على حسب اللون تاع الماء البلو. دونك هادي بريسيبيتاسيون داكور وهادي هنايا طومبيراتور داكور. الوغ اي نو دوموند كوا ديتيرميني لا بيريود دو سيشريس دو سيت ستاسيون. لا بيريود دو سيشريس سيت ايسي هي هذه هذيك لا بيريود دو سيشريس يعني فتره القحوله. دونك جو ليكري ايسي بيريود دو سيشريس. هاد فتره القحوله كتكون لورسك لا تمبيراتور اي بلو غروند كو لي بريسيبيتاسيون مفهوم. هي هاد الفتره هادي. دونك واش غادي نحسب الشهوره شحال عندي من شهر هنا من غادي جو في بيان سور ميتر كوم سا ونحسب شحال من شهر عندي لا تمبيراتور اي بلو غروند اي بلو زيلفي كو لي بريسيبيتاسيون ونكتب. دونك اون ا كومبيان دو موا نكتب مثلا 3 موا اكسيتيرا ولا 4 موا ولا 3 موا اي دمي اكسيتيرا. دونك هكا كنخرج كندير لو دياغرام اون برو تكنيك. انا غير وريتكم الطريقه راني ما درتوش نيشان. هي نورمالمون خص يكون لو بابي بعدا ميليمتريك باش نقدر نخدمو نيشان داكور. الوغ جو باس ا لوتر كيستيون. Donc, le tableau ci-dessous représente
les données climatiques de la station de Midelt et de la station d'Imilchil. Donc, on dit qu'il y a deux stations, qu'il y a une Midelt et qu'il y a une Imilchil. On a ici les précipitations, on dit qu'il y a l'altitude, on dit qu'il y a la température minimale. Donc, on a les précipitations, on dit 226, on a 319. Les altitudes, bien sûr, ils sont tous à une très grande altitude, il y a un altitude très grande, 1725, 2200, etc. Donc, la question dit, en se basant sur les données, des deux études comparées, la température M de la station d'Ifran et de la température et la température M des deux stations Middles et Emilchil. On dit ça là. On dit que la température de Ifran, elle est 0,1 degré Celsius. Ou là, on a 0,3 moins 0,6. Donc, je connais que la température sera, bien sûr, c'est Emilchil. Emilchil, elle a la température sera. D'accord? Donc, je passe à l'autre question. Je m'en touche. Sachant que le cèdre se répartit dans les régions dont les précipitations annuelles PA est supérieure à 750 mm. Il y a d'abord les précipitations sur Mykono, 750, et une moyenne de température petit m qui varie entre 0 et 7 degrés. D'accord? Il y a les précipitations, il y a les précipitations, il y a 226 ou 319. Donc, impossible, parce que tous les cèdres ont un jugement de taquasse, il y a les températures trop basses, mais les précipitations sont trop basses. D'accord? Les précipitations sont 750. 750 mm. Donc, il y a bien sûr, il y a des précipitations. Il y a des précipitations. Il y a des précipitations. D'accord, on a mis les choses, ou 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 les choses. D'accord. Alors, il nous reste un autre exercice, la matière organique, la biomasse, etc., la productivité. On va les laisser le mois prochain, Inch'Allah, on va les laisser le vidéo.